spécial. Donc déjà, je vais vous faire deux vidéos en une, c'est-à-dire que je vais vous faire un tag de Noël avec Shane et Tissem. Je vais répondre à des questions de Noël. Et ensuite, je vais vous montrer comment je vais faire le montage de cette vidéo. Parce que j'ai aussi des petits packs de Noël, donc comme ça, je vous montrerai comment je fais tout ça. Donc déjà, en premier, vous allez rester avec nous parce qu'on va faire un petit tag de Noël et ensuite, on passe au montage. Voilà, comme ça, si vous avez, vous vous lancez sur YouTube ou si vous avez envie de faire des montages vidéo pour Noël, pour les anniversaires ou pour autre, comme ça, je vous montre comment je fais. Le logiciel est super simple, il n'est pas cher du tout comparé à des logiciels que vous pouvez payer 400 euros, là il est vraiment pas cher du tout et il est très très ludique. Moi en temps normal j'utilisais iMovie ou alors j'essayais d'utiliser le, comment ça s'appelle déjà, le Final Cut Pro et c'est une grosse galère, il est super difficile, j'ai jamais pu l'adopter donc du coup j'étais restée sur iMovie qui est vraiment super simple. Donc là je suis passée avec ce logiciel là et franchement ce logiciel est vraiment génial, c'est tout simplement Filmora, donc vous allez voir quand je ferai le montage, mais en attendant nous allons passer au petit tag. On a donc décidé de vous faire un petit tag de Noël parce que là c'est Noël, donc on est en pleine fête, on est en pleine préparation de Noël. Nous avons déjà fait le sapin de Noël comme vous pouvez le voir, enfin nous avons fait, je sais que tu me regardes comme ça. Shane a fait le petit sapin de Noël, donc voilà. Alors on va passer au petit tag de Noël, donc j'ai trouvé ça sur une chaîne YouTube, hein, c'est des questions qui ont déjà été faites. Donc on trouvait ça très très marrant, il y a 12 questions, allez c'est parti. Première question, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Les cadeaux. Les cadeaux? Les décorations dans la rue. Ouais. Ou le froid. Ouais, non, en fait, c'est les décorations de la rue et les décorations dans les magasins aussi. Ouais. Dans les magasins, ils ont mis les jouets déjà au mois d'octobre. Hein. Octobre, ils avaient mis les jouets déjà. Mmh. Donc là, dès qu'on rentre dans les magasins et qu'on voit les jouets de Noël, les chocolats. Ouais, les chocolats. Les chocolats de Noël. Ensuite, sapin artificiel ou sapin naturel? Maman déteste les sapins naturels. Ben, j'adore l'odeur des sapins naturels, mais ça perd trop d'épines. En fait, ça perd toutes les épines organiques, mais il est mignon. Alors, je sais pas si on le voit dans la caméra, mais j'ai les petits bouts de sapin là, c'est en fibre. Et du coup, ça s'illumine. Mais je pense qu'on ne le voit pas. Mais quoi, il est tout kiki, regardez, c'est noir ou blanc. Après, ouais, sapin naturel, ça perd trop les épines. Tu pourrais fermer. Ensuite, quel est ton calendrier de l'Avent? Un Milka. Milka et après? Mignon. Voilà, toi t'as un Milka et un mignon. Tu sais? Niette! Moi j'en ai pas non plus. Alors nous par contre on n'a même pas reçu, on nous a même pas proposé de calendrier. Ouais. 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 Eh, si ouais. Vous passez par là les marques, vous avez fait quoi là? Pourquoi nous on n'a pas eu droit au calendrier de beauté? Non mais oh. Je connais trop belle, on casserait le calendrier. Ça va, c'est vrai, tu fais YouTube, ça serait bien. T'es gentil, mais pas bien. Ensuite, à partir de quand penses-tu à Noël? Décembre. Peu décembre? Mmh. Et toi? Et toi? Toute l'année aussi, parce que toute l'année, en fait, tu dis, ah, il me tarde les fêtes. Putain, n'empêche qu'à le lendemain, là, quand on a fait le repas chez mamie, le lendemain, qu'est-ce qu'on est dégoûté? Ouais, le lendemain. Il nous reste un an avant de refaire ça. Qu'est-ce qu'on est dégoûté? Qu'est-ce que c'est bien la soirée de Noël? Ouais, c'est trop bien. On est dégoûté à la fête. Une fois qu'on a ouvert les cadeaux, que tout est fini. Oh là là, qu'est-ce qu'on est dégoûté. Arrête, on y est pas encore, on l'a pas encore. Ouais. Pas encore fait. Alors, qu'as-tu demandé à Noël? Qu'as-tu demandé à Noël? La Switch. La Switch. T'as demandé que ça? Oh bah lui au moins. Il a choisi un cadeau bien cher, mais il en a choisi que. Et toi? Rien du tout. Toi t'as rien choisi. En fait, je veux plein de choses, libre choix. Mais tout ce que je te dis à chaque fois, ouais, je veux trop ça, je veux trop ça. Même si moi j'aime bien les surprises. Et moi, qu'est-ce que j'ai demandé? Moi, j'ai rien demandé parce que quand je veux quelque chose, je me l'achète. Ouais. Moi, j'aime bien les surprises. Si les gens ils veulent m'acheter un cadeau, qu'ils me fassent une surprise. Je fais toujours tout pour l'avoir. Attends, ouais. Elle est gentille. J'ai le téléphone. Ouais. Elle est gentille, elle veut pas m'acheter la suite. Mais c'est qui? Elle a fait des marques qui lui achètent un cadeau. Un anniversaire. C'est qui? C'est pas moi qui dépense l'argent, mais on lui achète quand même un cadeau. C'est pas moi qui dépense l'argent. À Noël. Alors attends, Shaïd m'achète un cadeau avec l'argent de Tissette. Eh ben oui, c'est quand même un geste. Même si on sort pas les sous, c'est quand même un geste. Ouais, qu'est-ce que geste? Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il attend que ça arrive à la maison et il le donne le jour J. La famille Tissette, elle a acheté. Après, il dit Tissette, maman, t'as acheté un cadeau, Tissette et moi. Ah ben oui. Ah là là. Alors ensuite, ouvres-tu le cadeau le 24 au soir ou le 25 au matin? Le 25 au matin. Les deux, parce que chez mamie, tu ouvres le 24 au soir, ouais, à partir de minuit, le Père Noël il passe.
Enfin, chaque année était comme ça. Hein. Et le 25 au matin, qu'est-ce que je t'avais mis le 27, tu m'enverras la photo de ce que je lui avais mis. Ouais. Je vais vous mettre oui. ici la photo de ce que je lui ai mis un jour, un 25 décembre. C'est l'année dernière. C'est l'année dernière? Non. Si, il y a deux ans. Non, c'était l'année dernière même que il a non, t'as pleuré. Il a pleuré et papa, au final, il est parti lui chercher l'overboard, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Non. Si, ben, il y a deux ans. Bon, de toute façon, on s'en fout. C'était un 25 que je lui avais mis, vous allez voir, vous avez pu voir sur la photo ce que je lui ai mis. Mais il était pas content le gosse, hein. C'était drôle. Ensuite... Je vais mettre ma culotte, tu vas voir si ça va être drôle. As-tu un pull de Noël? Tu sais, oui, elle a un pull rouge. Ouais, sinon, on ça à Noël, on s'habille classe. On s'habille ouais classe. Moi j'ai commandé une on robe. On se met des paillettes partout. J'ai commandé une robe, je l'attends. Je l'ai commandé sur Shein, je l'attends. Quand je vais vous faire le lookbook, j'espère qu'elle est aussi belle. Que jure, pour Noël, tu l'as commandé? Ouais, je l'ai commandé pour Noël. Ben ouais, parce qu'on fait beaucoup de photos à Noël et tout. Donc voilà, au moins qu'on ait des beaux souvenirs et qu'on soit jolie quoi. Aimes-tu les marchés de Noël? Non. Ça dépend ouais. Comment en fait. Ça dépend. Si on va à Toulouse et tout, ouais, mais ici là. D'accord, sur Toulouse, c'est pas terrible. Parce qu'il y a beaucoup de choses à manger, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est cher. Ouais, c'est trop cher. L'année dernière, on était y allé, c'était beau par contre. Hein. Ensuite, bûche glacée, bûche pâtissière ou autre. Bûche pâtissière. Ouais, moi je préfère la pâtissière. Ouais, c'est vrai. Celle qu'on achète l'année dernière, tu te rappelles toutes celles qu'on avait achetées à Auchan là. Là ce matin, on est parti, on est allé à Auchan, on est allé acheter du chocolat déjà. Ils sont là-bas, regarde. Et moi ils sont là, t'en as mangé tout à l'heure. N'importe quoi. Non, tu les avais pas achetés au draguier? Non, j'ai acheté la grosse boîte ce matin au champ. Mais c'est moi, non? Oui. Et là, on commence, là, déjà, on commence à avoir... Et puis, je sais qu'on va avoir des bottes de chocolat, donc... Je sais, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié d'ouvrir mon chocolat. Je vais t'ouvrir après. Sinon, je peux l'ouvrir en vidéo. Moi, après. Alors ensuite, que manges-tu à Noël? Moi, je ne parlais même pas de ça. Lui, il s'en fout. Mais alors, lui, il s'en fout. Il mange ni viande, ni. Lui, il mange que. Ouais. Dis-leur, s'il te plaît, maman, tu sais que tout à l'heure, on a un cours de français, on a fait un débat sur les escargots. Tout le monde disait que c'était pas bon, sauf moi et une copine à moi. Tout le monde disait que les escargots, c'est dégueulasse. Dites-leur, s'il vous plaît, que les escargots, c'est trop bon. Ouais, dites-leur, comment dit les escargots? Les boubouches. Mais même les escargots français, c'est trop, ouais, bon. Ouais, trop bon. Les escargots pas de. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas Noël, le sujet c'est à Noël, qu'est-ce qu'on mange? Les huîtres. Foie gras. Les huîtres, les crevettes, les repas de Noël. Les gambas. Repas bien français. Ils vont dire, regarde-moi là, celle-là, au lieu de nous sortir les tagines, elle nous sort les gambas. Moi, on mange pas de tagines, je suis désolée, elle fait pas chez nous. Ouais, donc nous, c'est les huîtres, les petits toasts, les gambas, les toasts. Chez tout le monde, je pense, parce que chez Mouille aussi. Hein. Ouais. Chez Mouille, il y a toujours les toasts et tout ça, hein, les toasts de d'œuf de lin, là, les toasts de saumon et tout ça. Moi, je me suis tiré un poil, il était maillé tellement, j'ai cru que c'était un cheveu. Tu vas le mettre ça, j'espère. Bien sûr. Donc voilà, ouais, on mange tout ça. Après, il y a les desserts, il y a les fruits confits chez mamie. Ouais, après, il y a les bûches. Après, le gâteau de Jennifer, des fois, elle fait des gâteaux. Elle nous fait des. Ouais, elle va faire la bûche. Elle fait des cèpes aussi. Parce que, ouais, voilà. Arrêtez, j'ai faim. Je sais pas, il est 7h20, on n'a pas encore mangé. C'est trop bon, les repas de Noël. Alors, ensuite, comment t'organises-tu pour préparer Noël? Dernière minute ou très organisée pour les cadeaux? Attends, l'année dernière. Pour les cadeaux? Attends, j'explique. L'année dernière, elle allait au magasin la veille. Et elle nous a laissé dans la voiture la veille de Noël. Non, elle y allait pour toi parce que monsieur n'avait pas décidé de cadeau pour Noël. Ouais. Oui, mais c'est pareil, t'es quand même y aller la veille. On avait déjà acheté l'overboard, mais je voulais encore faire un petit cadeau. Je voulais que t'aies plusieurs cadeaux, je voulais que t'aies au moins deux cadeaux au sapin parce que je me suis dit un cadeau. Mais c'était quand même l'overboard, on a quand même payé cher. Ouais. Alors que moi, hein, je peux me gratter. Mais dernière, j'ai eu quoi? T'as un iPhone 8 Plus et tu parles? Ouais, mais là, c'est pas pareil, ça, c'est pas un cadeau de Noël. Moi, j'aime bien l'avoir sous le sapin. Eh ben, t'avais qu'à attendre, on t'aurait pas dit, mais toi, t'es trop pressée. Non, mais c'est moi qui l'ai trouvé, mais tu vois, on te l'aurait pas dit. Oui, voilà, mais bon, on aurait pu faire, voilà, autrement. Donc, tant mieux pour toi. En vrai, c'est bien les surprises, c'est chiant quand tu. Comme mamie. Mamie qui me dit, ouais, envoie-moi le lien. C'est plus un cadeau après. Si, c'est un cadeau, mais c'est pas une surprise. C'est pas ce que c'est ce que je veux, mais. C'est pour ça que je sais pas si je lui dis, si je lui dis qu'elle m'achète ce que je veux. Mais le problème c'est que si elle y va acheter avec toi, toi t'as pas le même goût que moi. Donc du coup, ben moi personnellement, je m'y prends toujours au dernier moment. Là on est le 7.
Et je vais pas y aller avant au moins 15 jours là. J'ai rien acheté encore, j'ai pas d'idée. Pendant les vacances. Les vacances ça commence le 22, le samedi 22, elle me dit rien, on va acheter des cadeaux. Je la connais, j'aime bien. Alors ensuite, dernière question. Aimes-tu aller voir les animations en ville, lumière, vitrine, etc. Non. Ouais, on les voit en roulant, quoi, en voiture. Hein. Ouais, c'est bon. Après, ouais, non. Après, ce que j'aime bien dans la ville, c'est qu'il y a le traîneau du Père Noël. Là, il y a les trucs, il y a la calèche. Mais le traîneau, c'est la calèche. Ouais, maman. Et il y a les, la patinoire. Mais bon, la patinoire, 5 euros quand même, ici. 5 euros les 30 minutes, à Castel, c'est gratuit. Mais à Toulouse, c'est 7 euros la journée. Et la journée. Voilà, donc ce tag est maintenant terminé. On espère que ça vous aura plu. Ça fera un petit tag pour Noël. Là, on va passer au montage de la vidéo. Mais on vous fait quand même de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Allez, on passe. On passe au montage. Allez. Pour commencer, vous allez aller sur le lien Filmora que je vous mettrai en barre d'infos. Puis vous allez voir, c'est assez simple. Vous allez tout simplement télécharger le petit logiciel. Alors là, vous avez un essai pour pouvoir essayer ce logiciel. Vous le téléchargez, vous l'installez sur votre ordinateur et puis de là, vous pourrez faire ce que vous voudrez avec. Moi, j'ai téléchargé ce pack-là, c'est le pack Holiday Collection, c'est le pack de Noël. Voilà, je l'ai téléchargé et comme vous pouvez le voir, il est dans mes petits effets. Donc là dans mes effets, il est dans saisonnier, comme vous pouvez voir, c'est tous les petits effets qu'il y a pour les fêtes de fin d'année. Donc là je vais vouloir mettre je vais tout simplement chercher tous les documents, les photos, les musiques et les petites vidéos que je vais vouloir mettre dans ce logiciel. Donc je les télécharge du dossier, je vais les chercher à l'emplacement où ils sont, moi ils sont sur l'ordinateur, voilà, vous voyez, je mets ma musique d'introduction. Voilà, donc là je les installe tous un par un, comme ça je suis prête à commencer le montage. Ma petite introduction de glace, la voilà, voilà, je la rajoute. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a. Comme vous pouvez le voir là, il y a les fonds d'écran en fait. Vous savez, ça remplace un petit peu le fond vert quand vous avez, quand vous voulez mettre un joli fond. Là, il y a tous les titres animés. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs animations. Ça, c'est les titres animés de Noël. Ça, c'est le petit pack que j'ai installé. Voilà, pour la nouvelle année. Voilà, c'est 2017, mais bon, je pense que ça va passer à 2018. Voilà, joyeuse nouvelle année. Donc là, c'est toutes les transitions. Voilà, vous voyez, il y a énormément de choix. Chose qu'il n'y a pas sur iMovie. Alors moi, je vous parle d'iMovie parce que c'est le logiciel que j'utilisais en temps normal. Donc là, vous avez énormément de transitions. Voilà, je vous les montre au fur et à mesure. Voilà. Alors ça, c'est les effets vidéo. Vous savez, les effets vidéo, quand vous voulez mettre une vidéo, vous voulez vraiment changer l'effet que ça peut faire, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a même les déformations. La petite boule de Noël. Il y a beaucoup de choses. Alors celle-ci elle est marrante, mais bon, je me vois pas regarder une vidéo comme ça quoi. Ça c'est l'effet un petit peu dessin, l'effet un petit peu sépia. Voilà, ça c'est les effets que j'ai pu télécharger dans mon pack, les effets de Noël. Voilà, je ne sais pas si je les ai rajoutés ou pas, ça dépend. Quand j'ai fait le montage, je ne sais pas si je vais les rajouter ou pas. Voilà, les effets bonne fête de fin d'année. Voilà, je trouve ça trop mignon. Après, vous avez plusieurs packs, hein, comme vous avez vu, vous n'avez pas que le pack de Noël. Hein. Moi, j'ai téléchargé le pack de Noël parce que, voilà, c'est le pack du moment. Mais vous avez beaucoup de packs, hein, comme vous avez pu le voir au début. Alors ça, c'est l'effet, en fait, quand vous voulez mettre plusieurs images dans votre vidéo. Voilà. Si vous voulez mettre plusieurs effets, plusieurs images, ben, vous faites comme ça. Alors là, j'ai rajouté ma petite introduction. Vous voyez, je le prends. Et je le mets tout simplement à la place où je veux le mettre. Et là, j'ai rajouté tout simplement une transition. Voilà, moi j'ai pris la transition ouverture. Et là, je rajoute tout simplement une petite photo. Parce que là, je vous parle d'une photo marrante que j'ai fait. Une petite blagounette à Shine pendant le Noël l'année dernière. Et là, je veux faire un petit effet pour que cette photo apparaisse sur la vidéo en même temps que je parle. Donc cet effet-là, je le trouve très joli. Voilà, ça fera comme ceci. Voilà, je trouve ça plus joli qu'une petite vidéo qui arrive, tout simplement. Voilà, ça fera son affaire.
Là, je la rallonge un petit peu pour que ça fasse bien tout le temps que je parle de cette fameuse photo. Ensuite, là, vu que Tyssen a fait une petite blagounette dans la vidéo, j'essaye de changer en fait et de mettre un petit effet pour que vous voyez qu'en fait la vidéo, il y a eu une petite blagounette qui a été faite. Et pour finir, j'y ai mis mon outro et je rajoute tout simplement ma petite musique de fin de vidéo. Vous voyez, c'est simple, hein, vous prenez, vous faites glisser en dessous et puis après vous arrangez à votre sauce. Voilà! Donc mon montage est maintenant terminé. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de Filmora ainsi que les packs si vous voulez télécharger des petits packs ou mettre des petits effets en plus sur ce logiciel. C'est un logiciel qui est vraiment pas cher du tout, très facile d'utilisation. Donc si vous vous lancez sur YouTube, je vous conseille vraiment ce logiciel-là. Après, si vous préférez les logiciels plus compliqués, ben allez-y. Mais moi, celui-ci me convient très très bien. Il y a assez de choses pour moi. C'est très suffisant. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. Et à quoi dire de plus? Ben rien. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!